Bonjour et bienvenue à Paris. Vous voyez derrière moi la place des Vosges dans le quartier du Marais. C'est pour moi la plus belle place de la ville. Heinrich IV. Ließ den Platz im 17. Jahrhundert anlegen. Ringsherum entstanden die vornehmen Stadtpalais, die sogenannten Hôtels particuliers, in denen der Adel und das wohlhabende Bürgertum wohnte. Dazu gehörten Kardinal Richelieu, Sully, der Minister Heinrichs IV., und der Dichter Victor Hugo. Mitte des 20. Jahrhunderts hat man diese alte Bausubstanz sorgfältig restauriert und den Charme des Platzes neu entdeckt. Sehen Sie jetzt ein paar Bilder aus dem alten Paris. Auf der Île de la Cité, im Herzen der Stadt, steht die Kathedrale Notre-Dame. Mit ihrem Bau wurde im 12. Jahrhundert begonnen. Aber schon etwa 250 Jahre vor Christus ließen sich hier keltische Siedler nieder. Viel besucht sind die Stände der Bouquinisten im Schatten der Kathedrale. Die Metropole an der Seine erhielt bereits Mitte des 13. Jahrhunderts ihre Universität. Der Name Sorbonne geht auf ihren Gründer Robert de Sorbonne zurück. Aus aller Welt treffen sich hier im Quartier Latin die Studenten. Noch heute werden sie mit der Frage Michel de Montaignes, des berühmten Staatsphilosophen und Schriftstellers aus dem 18. Jahrhundert, konfrontiert. Que sais-je? Was weiß ich? Am Schnittpunkt großer Boulevards und Avenuen die prunkvolle Oper aus dem 19. Jahrhundert. Unter dem festlichen Figurenschmuck der Tanz, ein Werk des Bildhauers Carpeau. Um Paris kennenzulernen, muss man sich öfters in eines der vielen Cafés setzen. Faire les terrasses, sagen die Franzosen. Das heißt, dort sitzen, die Leute beobachten und den Franzosen zuhören. Eine Metrostation im Jugendstil. Art Nouveau heißt es bei uns. Sacré-Cœur, die Kirche im Zuckerbäckerstil auf dem Hügel von Montmartre. Das legendäre Künstlerviertel mit seinen vielen Restaurants. Le Tire-Bouchon, der Korkenzieher. La Place du Tertre, alle Motive von Paris werden hier gemalt. La Tour Eiffel als Souvenir. Der Eiffelturm, seit der Weltausstellung von 1889 das Wahrzeichen der Stadt. Le Parc Monceau, mitten im Lärm der Großstadt, eine der zahlreichen Oasen der Ruhe. Die korinthischen Säulen erinnern noch an die Folie de Chartres, wie der ehemalige Lustgarten aus dem 18. Jahrhundert früher hieß. Le Palais du Président de la République, le Palais de l'Élysée. Der Élysée-Palast, den die Pariser Le Château nennen, ist heute Schauplatz unserer Spielszene. Hier erwartet man Staatsbesuch von der Elfenbeinküste. Une visite officielle de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mon ami. Ça va comme ça? Je suis bien. Oui, très bien, Monsieur le Président. Vous avez fait faire un nouveau costume? Oui, il est tout neuf. Je l'ai fait faire pour aujourd'hui, pour la visite de Madame Mubuta. Vous avez terminé?
Oui, et c'est bientôt l'heure. Il vaut mieux que vous finissiez de vous préparer. Il faut que j'aille chercher ma veste et le dossier sur la Côte d'Ivoire. Bien, monsieur le président. Personne. Nous avons encore une minute. Je suis prêt. Elle veut 100 millions. Madame la présidente de la République de la Côte d'Ivoire. Madame la présidente, je suis enchanté. Moi de même, monsieur le président. J'ai fait venir ces deux tam-tams. J'espère que vous en jouerez. Oui, certainement. Je vous remercie infiniment de ces très beaux cadeaux. Voulez-vous prendre place? Oui, merci. Monsieur Étiquette, j'aimerais que vous alliez chercher quelque chose à boire. Bien, monsieur le président. Madame, la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Et je désire que nous soyons amis. Oui, nous le désirons aussi. Et nous souhaitons tous que vous nous aidiez à développer notre économie. Je voudrais qu'elle soit forte. Mais bien entendu, madame. Madame la présidente, puis-je vous offrir un jus de fruits? Oui, je vous prie. J'ai fait calculer le montant de la subvention. 100 millions de francs. Oui, j'ai vu ça. C'est une belle somme. Oui, mais il faut que les Ivoiriens aient des écoles, une industrie, une économie. Je comprends que vous ayez besoin de tout cela. Mais 100 millions. Je sais ce que vous allez dire. 100 millions, ce n'est pas suffisant. Ça dépend. C'est relatif. Non. Vous avez raison. Je suis tout à fait de votre avis. Il vaudrait mieux que nous ayons 150 ou 200 millions. Chère madame, j'ai déjà demandé que mon gouvernement aille en Côte d'Ivoire. C'est là une excellente idée. Il faut que vous alliez tous là-bas et vous verrez que 150 millions, ce n'est pas beaucoup. Veuillez m'excuser. Comment ? Si, monsieur le président, je viens juste de l'apprendre. Vous avez des ennuis? Oui. La France a des ennuis. La France? Oui. Monsieur Étiquette vient de voir mon ministre des Finances. Le budget français est en déficit.
Allons, cher président, ça va s'arranger. Nous connaissons tout cela en Afrique. Étant donné ces problèmes, je ne pourrai pas vous donner de grosses subventions. Mais ne vous inquiétez pas. La France va vous aider. Je n'oublierai pas ce geste, cher président. Puisque nous sommes d'accord, pouvons-nous signer notre contrat? Si vous voulez. Je comprends que vous soyez gêné. 150 ou 200 millions, c'est trop pour le moment. 100 suffiront. Voilà, je signe. Merci. Je vais signer aussi. Cent millions. Voilà. Félicitations, cher président. Nous pouvons nous serrer la main. Oui, avec plaisir. On se fait la bise. Je m'en vais, cher président. Merci pour les Ivoiriens. Au revoir, Madame la Présidente. Cent millions. Madame la Présidente, elle retourne en Côte d'Ivoire avec une subvention de 100 millions. Félicitations. Herzlichen Glückwunsch. 100 Millionen für die Elfenbeinküste. Une belle somme. In dem Gespräch zwischen den beiden Politikern wurden wieder Subjunktivformen verwendet. Heute lernen wir den Subjunktiv einiger unregelmäßiger Verben kennen. Von être lauten die Subjunktivformen Il faut que je sois. Que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Die Subjunktivformen von être sollten Sie sich gut merken, denn sie kommen relativ häufig vor. Écoutez, Monsieur le Président. Madame, la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Et je désire que nous soyons amis. Je désire que nous soyons amis. Ich möchte, dass wir Freunde sind. Ich will es. Nach je désire que, ich möchte das, ich will das, muss das Verb im Subjunktiv stehen. Auch nach je souhaite que, ich wünsche das, und je voudrais que, ich möchte das, steht das Verb im Subjunktiv. Écoutez, Madame Mubuta. Nous le désirons aussi. Et nous souhaitons tous que vous nous aidiez à développer notre économie. Je voudrais qu'elle soit forte. Avoir hat ebenfalls unregelmäßige Subjunktivformen. Sie lauten: Il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons. Que vous ayez, qu'ils aient. Madame Mubuta hat gesagt, dass die Bewohner der Elfenbeinküste Schulen, eine Industrie und eine Volkswirtschaft brauchen. Il faut que les Ivoiriens aient des écoles, une industrie, une économie. Jetzt noch die Subjunktivformen von aller, gehen, fahren. Sie lauten: Il faut que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez,
qu'ils aillent. Die Präsidentin hat gesagt, sie müssen alle dahin gehen und sie werden sehen, dass 150 Millionen nicht viel sind. Il faut que vous alliez tous là-bas et vous verrez que 150 Millionen, ce n'est pas beaucoup. Jetzt noch etwas anderes. Le président a fait faire un nouveau costume. Der Präsident hat einen neuen Anzug machen lassen. Faire plus Infinitiv bedeutet lassen. Also, faire faire quelque chose, etwas machen lassen. Faire venir quelque chose ou quelqu'un, etwas oder jemanden kommen lassen. Écoutez, Madame Mubuta. J'ai fait venir ces deux tam-tams. J'espère que vous en jouerez. Elle a fait venir ces deux tam-tams. Sie hat diese zwei Trommeln kommen lassen. Retournons au palais du président de la République, au palais de l'Élysée. Sie sehen die Geschichte noch einmal und haben wieder Gelegenheit, ein paar Sätze nachzusprechen. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mon ami. Ça va comme ça? Je suis bien? Oui, très bien, Monsieur le Président. Vous avez fait faire un nouveau costume? Vous avez fait faire un nouveau costume? Il est tout neuf. Je l'ai fait faire pour aujourd'hui, pour la visite de Madame Mubuta. Vous avez terminé? Oui, et c'est bientôt l'heure. Il vaut mieux que vous finissiez de vous préparer. Il faut que j'aille chercher ma veste. Il faut que j'aille chercher ma veste. Je suis prêt. Elle veut 100 millions. Madame la présidente de la République de la Côte d'Ivoire. Madame la présidente, je suis enchanté. Moi de même, Monsieur le Président. J'ai fait venir ces deux tam-tams. J'espère que vous en jouerez. Oui, certainement. Je vous remercie infiniment de ces très beaux cadeaux. Voulez-vous prendre place? Oui, merci. Monsieur Étiquette, j'aimerais que vous alliez chercher quelque chose à boire. Bien, Monsieur le Président. Madame, la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Et je désire que nous soyons amis. Je désire que nous soyons amis. Oui, nous le désirons aussi. Et nous souhaitons tous que vous nous aidiez à développer notre économie. Je voudrais qu'elle soit forte. Mais bien entendu, madame. Madame la présidente, puis-je vous offrir un jus de fruits? Oui. Je vous prie. J'ai fait calculer le montant de la subvention. 100 millions de francs.
Oui, j'ai vu ça. C'est une belle somme. Oui, mais il faut que les Ivoiriens aient des écoles, une industrie, une économie. Je comprends que vous ayez besoin de tout cela. Mais 100 millions... Je sais ce que vous allez dire. 100 millions, ce n'est pas suffisant. Ça dépend. C'est relatif. Non. Vous avez raison. Je suis tout à fait de votre avis. Il vaudrait mieux que nous ayons 150 ou 200 millions. Chère madame, j'ai déjà demandé que mon gouvernement aille en Côte d'Ivoire. C'est là une excellente idée. Il faut que vous alliez tous là-bas. Il faut que vous alliez tous là-bas. Comment ? Si, monsieur le président, je viens juste de l'apprendre. Vous avez des ennuis ? Oui. La France a des ennuis. La France ? Oui. Monsieur Étiquette vient de voir mon ministre des Finances. Le budget français est en déficit. Allons, cher président, ça va s'arranger. Nous connaissons tout cela en Afrique. Étant donné ces problèmes, je ne pourrai pas vous donner de grosses subventions. Mais ne vous inquiétez pas. La France va vous aider. Je n'oublierai pas ce geste, cher président. Puisque nous sommes d'accord, pouvons-nous signer notre contrat ? Si vous voulez. Je comprends que vous soyez gêné. Je comprends que vous soyez gêné. Voilà. Je signe. Merci. Je vais signer aussi. Cent millions. Voilà. Jetzt wieder zu ihrer guten Aussprache. Es heißt, je suis, aber il faut que je sois. In je suis hören Sie vor dem I nicht ein deutliches Ü, sondern einen kurzen Übergangslaut. Oui. Eine Art Halbvokal. Sprechen Sie jetzt mit. Je suis enchanté. Je suis enchanté. Voulez-vous me suivre? Voulez-vous me suivre? Puis-je vous aider? Puis-je vous aider? Tout de suite. Tout de suite. Elle vient de Suisse. Elle vient de Suisse. In que je sois, hören Sie einen anderen Gleitlaut oder Halbvokal. Ein U, das nur kurz angedeutet wird. Sprechen Sie gleich noch einmal mit. Il faut que je sois à l'heure. Il faut que je sois à l'heure. Je te souhaite une bonne soirée. Je te souhaite une bonne soirée. Je dois te dire quelque chose. Je dois te dire quelque chose. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci. Voici le musée d'Orsay,
eines der schönsten Museen in Paris. Hier sehen wir uns Bilder von Malern an, denen wir auf unserer Tour de France begegnet sind. Zum Beispiel Renoir, Cézanne, Gauguin oder Toulouse-Lautrec. Das Museum liegt an der Seine, am Quai d'Orsay. Modernen Architekten ist es gelungen, aus dem ehemaligen Bahnhof, dem Gare d'Orsay, der 1900 zum Jahr der Pariser Weltausstellung erbaut wurde, einen der attraktivsten Musentempel für die Kunst des 19. Jahrhunderts zu schaffen. Le Bal du Moulin de la Galette von Auguste Renoir. Der aus Limoges stammende Maler hat in diesem berühmten Bild eine Ballszene bei einer der alten Mühlen zu Füßen des Montmartre festgehalten. Le Bassin aux Nymphéas, der Seerosenteich von Claude Monet. Cour de Ferme en Normandie. Ein Bauernhof in der Normandie, ebenfalls von Monet. Moulin en Bretagne heißt dieses Bild von Paul Gauguin. Er malte es während seines Aufenthaltes in Pont-Aven in der Bretagne. Les Aliscans. So sah Gauguin die antike Gräberstraße in Arles während seines Besuches bei Van Gogh in der Provence. Und natürlich ist Vincent van Gogh im Musée d'Orsay vertreten. La Chambre de Van Gogh, das Zimmer, in dem er in Arles lebte. La Sieste, die Mittagsruhe. Nature morte à la soupière von Paul Cézanne. Der Maler aus Aix-en-Provence hatte eine Vorliebe für Stillleben. La danse au Moulin Rouge von Henri de Toulouse-Lautrec. Wir haben Bilder von ihm bereits im Museum in Albi gesehen. Maison en Roussillon von Aristide Maillol, den wir im Roussillon als Bildhauer kennengelernt haben. Femme à l'ombrelle, Frau mit Sonnenschirm, ebenfalls von Maillol. Nur ein paar Beispiele konnten wir Ihnen zeigen. Vielleicht war es eine kleine Anregung, das Musée d'Orsay bei Ihrem Paris-Besuch selber zu entdecken. Von der Terrasse des Museums hat man diesen herrlichen Blick auf den Hügel von Montmartre, La Butte Montmartre. Damit möchte ich mich für heute aus Paris verabschieden. Unser nächstes Ziel ist Chartres. Alors, à bientôt.